Aujourd'hui, à la recette, nous avons la casserole d'aubergine et le poisson salé. C'est une recette simple et délicieuse. Bonjour les amis, voici les ingrédients de la recette d'aujourd'hui. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous avons besoin des aubergines. Les aubergines sont là, ce sont des petites aubergines. Nous aurons besoin des oignons, nous avons les tomates, nous avons le poivron vert, nous avons du sel, nous avons des échalotes, nous avons les piments scotch, nous avons du poisson salé, de la morue. C'est le poisson que j'ai choisi pour la recette d'aujourd'hui. Et nous avons de l'huile. Ce sont les ingrédients qui vont entrer dans la recette d'aujourd'hui. Pour vous qui êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez les commentaires, aimez la vidéo et partagez. Et nous allons maintenant passer à la préparation de notre recette. Pour commencer, je vais couper le poisson. Donc, je coupe les morceaux. Vous pouvez couper les morceaux à votre choix, c'est-à-dire ça peut être gros ou petit. Donc, vous coupez les morceaux et après, on va tremper les morceaux dans l'eau pour dessaler parce qu'il faut enlever du sel. Moi, je les laisse tremper dans l'eau pendant une journée. Et vous pouvez aussi dessaler en faisant bouillir le poisson dans l'eau chaude. C'est une technique aussi qui aide à dessaler le poisson. Mais moi, je vais mettre dans l'eau froide pendant une journée. Comme ça, je vais enlever une bonne quantité de sel. Il ne faut pas enlever le sel au complet, mais un tout petit peu. Donc, à votre goût. Et là, je mets mes poissons dans l'eau. C'est de l'eau froide. Et je vais les laisser tremper. Et je vais changer de l'eau à chaque fois. Donc, je peux changer aux 3 heures, 4 heures. Je change de l'eau pour arriver au goût désiré. Maintenant, nous allons passer à la préparation d'autres ingrédients. Donc, je vais hacher des légumes. Là, je commence avec les échalotes que je vais hacher finement. Donc, vous pouvez les hacher comme vous les désirez. N'oubliez pas que chaque recette que je vous montre peut être modifiée selon vos goûts et selon vos habitudes alimentaires. Je vais couper aussi les tomates. Je vais les hacher ou bien les couper en quartiers, en petits morceaux. Ce n'est pas beaucoup de tomates, c'est juste 2 tomates. Après les tomates, je vais couper les poivrons verts en lanières et après je vais les couper en quartiers. Donc, coupez-les comme vous les désirez. Faites-les à la maison à votre façon. Mais je vous montre juste la recette que vous pouvez soit reproduire la même chose, soit les faire à votre façon à la maison. Là, je vais couper les oignons. Je vais hacher les oignons que je vais mettre dans les aubergines. Et pour les oignons que je vais mettre dans le poisson, je vais couper en gros morceaux ou bien en lanières, en petites lanières pour mettre dans le poisson.
Je vais maintenant enlever les bouts de aubergines et je couperai les aubergines en deux par après. J'ai fini à enlever le bout d'aubergine et je vais maintenant les couper en deux tranches. Je passe à la préparation. Je mets le poêle, j'ajoute de l'huile. Dès que l'huile est chaude, pas trop chaude, un peu, et je vais ajouter des aubergines. Je vais faire revenir les aubergines dans l'huile pendant 4 minutes, 4 à 5 minutes. C'est pour éviter que les aubergines ne se décomposent pas. Parce qu'on n'aime pas quand les aubergines sont trop molles. On aime bien quand ça reste toujours en gros morceaux. Et après 4 à 5 minutes, j'ajoute les échalotes. Et les oignons. Je fais revenir pendant 2 minutes. Après 2 minutes, j'ajoute de l'eau. Une tasse d'eau, pas trop d'eau, parce que s'il y a trop d'eau, c'est pas bon. J'ajoute les piments scotch. Et en dernier, j'ajoute les tomates. Je fais revenir et je laisse cuire mes aubergines pendant 7 minutes. Là, je vais frire le poisson dans l'huile. Donc, après avoir dessalé, je fais frire dans l'huile. Donc, je vais dorer de chaque côté. Et je vais les enlever, le mettre à côté. Dans une assiette, c'est bien doré, je les enlève dans l'huile et je vais récupérer cette huile, je vais faire revenir l'oignon et le poivron vert. Vous pouvez utiliser le poivron de n'importe quelle couleur, ça dépend de vous. Je vais juste les cuire pour les ramollir, il ne faut pas que ça soit trop grillé, juste pour que ça soit mou, comme ça on va les servir avec le poisson. Et voilà, les aubergines sont là, c'est prêt, c'est pas long à cuire. Et le poisson aussi est là avec le poivron vert et l'oignon, c'est très bien. Essayez la recette chez vous, aimez la vidéo. C'est un repas que vous pouvez faire chez vous. Ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est une recette rapide. C'est bon pour la santé. Vous avez des légumes, vous avez aussi le poisson. Vous pouvez accompagner avec du riz, avec le foufou, avec le pondou, avec les bananes plantains, avec la chikwang. Merci beaucoup pour votre soutien et support. Aimez la vidéo, partagez. Bye bye, à la prochaine vidéo.